have you ever felt? Are you listening? Damn. Mon aventure s'est passée difficilement et en même temps c'était magique parce que c'était dur, il fallait beaucoup réviser, il y avait beaucoup de chansons à apprendre, de choré à faire, il fallait faire des efforts, tout ça. Mais au final, je suis super contente de mon travail et du travail de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé dur, mais qu'on y est arrivé et que... Et qu'on est tous fiers de ce qu'on va préparer pour le spectacle. Cette aventure est différente des autres parce que les principes qui circulent sont différents des autres colos. Voilà, j'aime bien la mentalité de cette aventure. Quels sont ces principes ? Toujours s'entraider, toujours avoir confiance en soi, pas douter de soi-même, rien lâcher, et savoir si on a toujours fait notre mieux. Alors oui, j'ai un rôle important. Donc ce rôle, c'est crise d'ado. Et ça m'a apporté d'avoir confiance en soi, d'être sûre de soi, malgré que des fois ça peut être compliqué. Impatiente. Inquiète. Heureuse. Inquiète. Super bien. Inquiète. Pétillante. Inquiète. Contente. Inquiète. Contente. Inquiète. La super pêche. Inquiète. Impatiente. Le planning d'une journée type, donc c'est par exemple, tous les matins on a une demi-heure de sport, donc le repos, on fait des squats, jumping jack, parce qu'on est bien crevé. Après, on fait soit du coaching vocal, ou de la danse et du théâtre. Et toute la journée, ça alterne, coaching vocal, théâtre, danse. À midi, on mange. On a un petit goûter vers 4-5 heures. Et après, le soir, il y a toujours des soirées à thème. Mon rôle sur le camp a été d'être encadrant. J'étais leur grand frère, j'étais là pour les aider, les motiver et être présent quand ils en avaient besoin. Pendant une semaine, j'ai vu des jeunes épanouis dans ce qu'ils faisaient et ça m'a fait plaisir de les voir vivre ce que j'ai vécu avant. Pour le spectacle en novembre parce que les spectateurs vont être très nombreux et puis même si on aura bien répété avant, je pense que ça va être impressionnant. Si je devais résumer cette aventure entre en haut, je dirais amour, passion et travail. Déjà, je devrais remercier Tristan pour avoir créé Comédie Musicamp, parce que créer une aventure déjà artistique, c'est pas facile, je pense. Donc créer une aventure artistique et en plus qu'elle soit humaine, ça doit être un gros challenge, ça a dû être un gros challenge. Et surtout, le remercier d'être venu, de s'être déplacé, d'avoir pris son temps pour aller dans mon collège, pour nous expliquer qu'est-ce que c'était Comédie Musicamp. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de venir à Comédie Musicamp. Donc déjà, premièrement, j'aimerais le remercier lui. Ensuite, j'aimerais remercier bien sûr tous les grands frères et les encadrants. Donc Justine pour nous avoir fait la voix, la danse. Et bien sûr Mathias, Théo, Thibaut, Ali, Mathieu. Voilà, tous les grands frères qui ont toujours été là quand on avait un problème. Quand on avait un problème de danse, on allait voir Mathias, il nous expliquait. Quand on avait un problème de chant, on allait voir Ali, elle nous expliquait.
Quand on a des problèmes de théâtre, on demandait à Théo ou Thibaut, ils nous expliquaient, même pour la danse, on pouvait aller voir Mathieu. Ils sont toujours là pour nous et ça, c'est vraiment formidable. Donc, Julien, moi, les remercie du fond du cœur. Et bien sûr, remercie tous ceux qui nous ont aidés, donc c'était les jeunes. Quand il y a des moments, bien sûr, il y a toujours des petits coups de mou, ça va pas bien. S'inquiéter, se dire, allez, on va le faire, bon, viens, on travaille, tac-tac. Toujours la motivation, toujours les autres qui te motivent. Et ça, c'est vraiment agréable de travailler avec des gens motivés. Et j'aimerais les remercier eux aussi.